protestant. Tu protestes contre quoi? C'est déjà compliqué d'être chrétien, alors pourquoi être en plus protestant? Les protestants sont austères. Première raison, la radicalité de la grâce. Le protestantisme est né de la découverte que la grâce est au fondement de notre compréhension de Dieu. Luther le résume ainsi. Les pécheurs ne sont pas aimés parce qu'ils sont beaux, ils sont beaux parce qu'ils sont aimés. Dans un temps où je suis jaugé, jugé, estimé à travers mes performances, la parole de grâce que Dieu m'adresse est à la fois une libération et un profond apaisement. Je n'ai rien à prouver à Dieu. Il me reçoit tel que je suis. L'apôtre Paul a dit que devant Dieu, je suis saint, irréprochable et inattaquable. Il ne me reste plus qu'à devenir ce que je suis. Et pour ça, il n'y a pas trop de toute une vie. Deuxième raison, l'amour de la Bible. Je suis protestant parce que je lis la Bible. Cette lecture fonde la foi et la vie du croyant. Lorsque Boileau dit que tout protestant est un pape, une Bible à la main, il voulait dire qu'avec la Bible, il n'avait pas besoin d'autres médiations religieuses. Dieu nous appelle à l'aimer de toute notre intelligence. Une lecture de la Bible vivante est ouverte aux différentes interprétations des textes. Dieu nous aide à cultiver l'intelligence de la grâce pour nous apprendre à voir le monde comme Dieu le voit. Troisième raison, la liberté. Je suis protestant parce que je peux me tenir devant Dieu, seul et sans intermédiaire. Je suis protestant car aucune église ou chapelle ne peut me dicter ce que je dois croire ou faire au plan moral. Je suis seul responsable de mes propres convictions à partir de la Bible. Luther a souvent dit qu'on était seul à croire comme on est seul à mourir. Quatrième raison, la responsabilité. Je suis protestant parce que je crois que Dieu aime les minoritaires, ceux qui remontent le courant, les résistants, ceux qui sont en quête de leur propre liberté. Bien sûr, l'Église est importante, car on va toujours plus loin lorsqu'on est plusieurs, mais ultimement, je suis adulte et responsable devant Dieu et devant mon prochain. Je suis protestant parce que l'Église est une institution humaine, faillible et toujours réformable en ce qu'elle n'est soumise qu'à la seule annonce de l'Évangile. Cinquième raison, honorer la diversité. Je suis protestant parce que la diversité est une chance et une bénédiction. Dans l'histoire, chaque fois qu'une religion a été hégémonique, elle a développé des tendances totalitaires. Dans un monde marqué par la diversité, pourquoi y aurait-il une seule façon d'être chrétien? L'incroyable diversité protestante témoigne de sa vitalité. Nous sommes tous en quête du même Dieu de la Bible, car personne ne possède de vérité définitive sur lui. Être protestant, une façon singulière de se tenir devant Dieu, libre, responsable, solidaire. Les protestants sont des anarchistes qui traversent dans les clous.